Lancement officiel du forum numérique de la rentrée scolaire 2017-2018 ce matin à N'Djamena par la secrétaire d'État à l'éducation nationale et à la promotion civique Bounio Pervaline. Le forum est une initiative de Technidev en collaboration avec l'UNFPA et le programme PISCA de l'ambassade de France au Tchad. Mahamat Omar Moursa nous en dit plus. Quatre thématiques sont au menu du forum numérique de la rentrée scolaire. Il s'agit de l'éducation par le numérique, la promotion de la santé, la culture entrepreneuriale et l'éducation non formelle. Au terme de ce forum, les participants mettront en place une feuille de route pour promouvoir l'éducation par le numérique. L'Institut des technologies innovantes pour le développement Technidev, initiateur de cette rentrée, entend contribuer au développement du système éducatif du Tchad. Cette initiative est appréciée par l'ambassade de France au Tchad et l'UNFPA à travers les représentants respectifs. Les élèves ne sont pas du reste. Ce qui m'a intéressé, c'est la promotion de l'éducation antique et encore l'éducation non formelle. Le forum numérique de la rentrée scolaire est aussi salué et encouragé par le ministère de l'Éducation nationale. Les pays au sud du Sahara, dont le Tchad avait pris l'engagement à la réunion sur l'éducation post-2015 à Kigali, de remettre en œuvre 18 domaines d'action prioritaires afin d'améliorer la qualité de l'éducation. Le directeur général de Technidev et la chargée de communication de Technidev ICLE ont saisi l'opportunité pour présenter les différents stands à la secrétaire d'État à l'éducation nationale et aux autres invités. Toutes ces œuvres visent la promotion de l'éducation non formelle et la valorisation des productions agricoles. Une mission parlementaire conduite par le député Issara Bakari se trouve à Moussoro, chef-lieu de la région du Bahr el Ghazal. La délégation est allée constater de visu les conditions de travail de la délégation régionale à l'éducation et à la jeunesse. Ahmad Ali. Pour constater les insuffisances et les difficultés de la délégation régionale à l'enseignement et à la jeunesse du Bahr el Ghazal, une mission parlementaire se trouve depuis le 5 octobre dernier à Moussoro, chef-lieu de la région du Bahr el Ghazal. Cette mission a eu une séance de travail avec les responsables scolaires à différents niveaux en présence des autorités administratives. Le délégué régional à l'enseignement et à la jeunesse du Bahr el Ghazal, M. Moussa Bakarzen, a rassuré la mission parlementaire sur la disponibilité de son département pour aider la mission à accomplir sa mission. Pour sa part, le chef de mission, le député Issaka Bakari, de préciser que cette mission a pour but de relever les insuffisances du système éducatif au niveau régional en vue d'améliorer les conditions de travail des enfants. Nous sommes une équipe de parlementaires mobilisés dans la région pour voir avec vous qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi il y a baisse de niveau? Pourquoi il y a des difficultés partout? Signalons que le député Issaka Bakari est accompagné dans son déplacement par les députés Khadija Hassaballa, Memadi Tokel, Zakaria Mohamed Dallaï et Abdraman Amato Choukou.